la tête qu'à ça, coup de fil, machin, tout ça. Et en plus, il faut mesurer. Enfin, il y a pas mal d'articles qui racontent ça, ce que ça veut dire aller chercher des parrainages. Hein. Il y a encore un article du Monde qui raconte un parcours. Donc quand on fait ça depuis 8 à 9 mois, on va dire depuis juin, on ne peut pas envisager aujourd'hui d'arrêter ça, quoi, parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé là-dessus. Là, on a des camarades qui sont sur les routes, on a pris les congés pour, on dort, enfin, on se démerde comme on peut pour assurer des régions où on est moins implanté. Donc c'est sûr que là, on sait qu'on a jusqu'à vendredi, il faut qu'on tienne jusqu'à vendredi, enfin en réalité jusqu'à jeudi, parce qu'on ne va plus chercher vendredi, parce que ça ne sert à rien, parce qu'il faut que les courriers soient envoyés, réceptionnés le vendredi. Donc en fait, on a jusqu'à jeudi matin pour faire ce boulot-là, et on va au bout. Et on sait que même si les chiffres sont plutôt inquiétants, dans le sens où on a quand même un gros boulot à faire, mais on sait que c'est réalisable. Voilà, on sait par expérience, on a des coups de fil, là, voilà, on sait que du côté de la Martinique, on a des retours positifs. Enfin, voilà, donc la situation peut se débloquer dans les derniers jours. Et là, il est hors de question d'abandonner. On va au bout.